À l'arrivée, pas un mot de Gérald Darmanin et même silence chez Henri Guénaud. Les deux députés co-animent le débat sur la République et l'islam. Une journée à huis clos, loin des caméras, pour libérer la parole. C'est une séance de travail où chacun doit pouvoir s'exprimer sans pression. On est dans un contexte particulier. Rappelez-vous les attentats du mois de janvier. C'est un sujet important et il n'y a pas de sujet tabou chez les Républicains. Pas de tabou, mais des lignes de fracture. Alain Juppé et François Fillon n'assistent pas au débat. Nathalie Kosciusko-Morizet le qualifie de mauvaise idée. Les représentants du culte musulman sont tout aussi critiques. Je pense que l'islam est une religion respectable, qu'il y a des musulmans qui sont absolument intégrés à la société française et qu'on en parle trop peu. On va voir les 4 ou 5 énergumènes, n'est-ce pas, qui font honte aux musulmans et qui font honte à la société française pour faire tout un débat considérant que tous les musulmans, c'est ça. Des critiques entendues par Nicolas Sarkozy qui prône l'apaisement. On se réunit parce qu'on est amis, parce qu'on a confiance les uns dans les autres. Ce dialogue ne se fait contre personne. Les conclusions du débat viendront nourrir le projet présidentiel et rester secrètes d'ici là pour apaiser les polémiques.